Bonjour à tous, un petit tour du jardin. Voilà, de ce côté-là, en fait, ça fait la troisième année où j'ai mis en fait des dahlias. Donc là, c'est une consoude que j'avais mis en pot. Voilà, l'année dernière, ça n'a pas vraiment donné grand-chose. Mais là, cette année, vous voyez, il a grandi, il faudrait que je le mette ailleurs. Ici, donc, c'est le coin des dahlias. Et ça fait 2-3 ans que je les ai laissés en terre. Voilà, donc les tubercules, en fait, de dahlias, bah, normalement, ils ne résistent pas au froid. Et cette année, il y a eu des grosses gelées, j'ai perdu beaucoup de plantes, dont des arômes. Ici donc c'était les dahlias, celui-là bon ça a bien repoussé, c'est résistant, je ne sais plus le nom. Et sinon j'avais aussi d'autres plantes comme des arômes ou des grandes feuilles avec des jolies fleurs, ben, ça n'a pas résisté, pouf, il n'y a plus rien. Et du coup cette année ben, j'ai les iris qui, ben, l'année dernière ils n'avaient pas poussé, je ne sais pas pourquoi, donc là j'ai des iris partout. Voilà, donc ça fait plaisir. Et donc là il y a un gros désherbage à faire comme vous avez vu. Donc là ici donc on a des iris mauves. Et normalement il y avait aussi des bulbes, mais vu qu'en fait ça, les iris ont pris toute la place, je pense que j'aurai pas de bulbes cette année de fleurs. Donc il faudra que je change la fin de l'année la place pour les iris. Et surtout, en fait, là, ils ont vraiment besoin de place parce qu'ils se dédoublent chaque année. Donc là, ils seront trop serrés. Et ça gêne les autres plants aussi. Donc là, ici, ce plant-là, il va aussi... Je vais l'enlever, là, donc pas longtemps. Parce que là, en fait, il est trop vieux. Des fois, il donne rien. Et puis, il suffit que je coupe sur une année. Donc pas une, l'année d'après, j'ai plus rien. Donc, à changer de place. Ici, je vais tout enlever. Donc je vais refaire le grillage, je vais enlever, je vais tout refaire pour cette année. Mais vraiment là il y a des pluies, donc je vais vraiment attendre encore un peu. J'aimerais vraiment faire les plantations tout de suite, mais pas possible. Les rosiers cette année, elles vont être là. Mais en fin d'année, elles vont changer de place pour que l'année prochaine, je fasse que du potager ici. Donc c'est magnifique. Là les iris, j'adore vraiment, regardez les couleurs. J'en ai 3 sortes je crois. Donc voilà, celles-là, elles sont magnifiques de couleur, donc mauve et blanc. Et voilà, ça aussi, donc ils sont pas une bonne place. Je les ai mises parce que je trouvais pas de place ailleurs au moment où je les mis. Donc c'est pas grave. Je ferai mieux l'année prochaine. Ici, donc vous voyez, là ça bourgeonne, c'est des rosiers rouges. Les roses sont déjà sorties. Ici c'est normalement je pense un mûrier, ça fait 2 ans en fait il est en terre, ça n'a rien donné cette année, ça commence à arriver. Mais je pense que c'est un mûrier. En même temps les feuilles ressemblent à un framboisier, donc surprise, on verra. Parce que je l'avais eu chez un particulier, donc je ne l'ai pas vraiment acheté, donc on a fait un échange. Donc on voit c'est quand même des jolies fleurs. Donc comme elles ne sont pas pareilles que les framboisiers, donc je pense bien que c'est un mûrier. Ici donc c'est un groseillier, il a déjà donné de début au fait où je les ai mises, mais elles sont très 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 amères, donc je sais pas si c'est un manque d'eau ou il leur faut quelque chose. Voilà, si vous avez des idées n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Bon, voilà, j'essaierai d'améliorer tout ça, mais en tout cas là cette année il est devenu vraiment géant, parce que là il faisait pas cette taille l'année dernière ni la première année d'ailleurs, il était tout petit.
Ici, donc, j'ai des fraisiers qu'il faudra que je replante ailleurs parce que là, ils sont envahis en fait par les framboisiers qui prennent beaucoup de place. Parce qu'en fait, les tiges sont souterraines, donc du coup, ils sont venus jusqu'aux fraisiers et ils n'ont plus leur place. Donc, il va falloir que je leur trouve une place ailleurs pour les framboisiers, pour les fraisiers. Comme ça, je peux mettre des fraisiers tout le long. Ensuite, tout en bas ici, nous avons des pommes de terre. Je vais mettre aussi des tomates parce qu'il y a encore de la place qui reste. Donc là, cette partie, c'est les pommes de terre. J'ai mis que des épluchures. Donc pas des pommes de terre. Parce qu'en fait, une année, j'ai essayé. Dans l'année dernière, j'ai mis des pommes de terre avec des beaux germes. Rien n'est sorti. Et la toute première année où j'ai essayé des pommes de terre, j'avais mis que des épluchures parce que voilà, je voulais tenter. Et j'ai réussi à récolter quand même quelque chose de bien. Là, j'ai pas pu la mettre dans cette vidéo, mais j'essaierai de vous mettre dans les vidéos prochaines, peut-être au moment de la récolte. Ici, des pois chiches, et ça, c'est des petits pois. Donc, il va falloir que je mette un tuteur pour qu'ils puissent grimper. Ensuite, ici, tout le long, là, sur le côté, ce sont des haricots. Voilà, je sais pas du tout l'auteur qui va faire, faudra que je revérifie. Donc, sur les étiquettes, donc là, mes chats qui sont là dans le jardin, ils se promènent avec moi. Ici, donc de ce côté-là, je vais tout enlever. Donc même les petits plants qui restent, donc ça, de toute façon, ça, je laisse juste pour attirer les abeilles, papillons et autres. Hein. Sinon, ça dégage parce qu'en fait, ils font des fleurs, mais il n'y a aucune graine qui s'est formée. Donc c'est pas grave, ça fait joli en attendant que je refasse la parcelle. Donc il y a des fleurs, là, vous voyez, c'est une chou-fleur de l'année dernière. Mais ça n'a rien donné, donc je pense cette année non plus. Bon, je vais essayer peut-être de déterrer avec les racines, avec une motte de terre, et puis les mettre ailleurs. Peut-être que cette année, j'aurai un peu de chou-fleur, je ne sais pas. En tout cas, les autres chou-fleurs sont montées en graines, donc voilà. Ici, pommes de terre encore, que des épluchures. Parce qu'en fait, si j'arrive pas à faire des pommes de terre, ça aide en fait, parce que je vais mettre des tomates ici, ça va aider les tomates à bien grandir, parce qu'en fait c'est la première année où j'ai testé, ça a super bien marché, même si j'ai eu des petits pommes de terre, j'ai eu des belles tomates. Donc la première année où j'ai vraiment je me suis vraiment mis une bonne culture de tomates, donc ça a super bien marché. Donc je réessaye donc chaque année. Ici, donc j'avais fait aussi, c'est encore des épluchures dans un sac de terreau. Vous voyez, ils sont déjà magnifiques. Je sais pas, voilà, il faudra que je mette un petit peu de terreau et remonter un petit peu la terre, le sac, pour voilà, une meilleure récolte. Et puis oui, c'est dans un sac de terreau. Donc ici, nous avons des iris, donc il y a plusieurs types d'iris. Là, c'est avec des bulbes, l'autre c'est avec des rhizomes, et c'est pas du tout pareil. Voilà, ils sont magnifiques. Ici, donc voilà, il faudra désherber tout ça. Les arômes, j'en ai plus beaucoup, j'en avais tellement, là j'en ai plus beaucoup à cause des gelées. Et puis là, une carotte rescapée de l'année dernière. Ensuite, donc là les bulbes, je sais pas ce qui s'est passé, ça n'a pas trop donné, les tulipes, c'est pas grave. Ici donc encore un gros tas, vraiment là ils ont besoin de place, ils sont trop serrés. Mais bon, cette année voilà, ça va être comme ça. Et puis on est au mois de février, août, je vais les déplacer et puis comme ça je les mettrai un autre endroit. Voilà, regardez, c'est vraiment magnifique. Voilà. Ensuite. Voilà, voilà. On continue. Donc là, la parcelle qui est juste à côté, pour l'instant il est vide, évidemment il y a beaucoup d'herbes, donc il va falloir que je désherbe tout ça. Et c'est magnifique, magnifique, j'adore. Regardez-moi les couleurs, franchement il y a 3-4 couleurs dans une seule fleur, magnifique. En plus il y a 3-4 bourgeons sur la même tige, il y a une qui meurt, les autres repoussent, et ça fait, c'est vraiment super. Ici donc voilà, il n'y a rien du tout. Ici il y a un chou-fleur de l'année dernière. Ça n'avait rien donné, vraiment, il ne voulait pas du tout grandir. Là, bon, il a fait une bonne taille, mais je pense que ça va être que des feuilles. Je ne vais rien voir cette année. Là, c'est une glycine de Chine que j'ai mis il y a 3-4 ans. Voilà, elle est superbe, mais sauf que là, je n'ai pas tuteuré, donc elle part un peu dans tous les sens. Et celui-là, c'est un cerisier. Cette année, j'espère avoir une bonne récolte, malgré
les gelées, vous voyez, donc c'est quand même assez bien rempli. L'année dernière, c'était rempli de fleurs, mais énorme, et j'ai pas eu la quantité de cerises que je voyais en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Et là, cette année, j'espère que ça va être bon jusqu'à la fin, parce que normalement, les risques de gelée, là, ils sont loin derrière nous, parce qu'on est le 13, je crois, 12 ou 13. Donc voilà, normalement, là, il n'y a plus de gelée, on n'a plus de risque, ça devrait être bon. Donc on va attendre quand même jusqu'au mois de juin, encore un mois à attendre. Et puis, ouais, c'est rempli partout. Donc voilà, cette année, on va avoir de belles récoltes de cerises. Ici, donc il n'y a pas grand chose. Cette parcelle-là, je vais l'enlever pour pouvoir poser en fait une table. Et là, mes petits pots, là, il faut les remporter parce que les plants qu'il y a dedans, ils ont plus besoin de place. Ici, celui-là, je vais le mettre en terre, mais j'attends toujours. Donc d'abord, faire les plantations de tomates et le reste. Et ensuite, je m'attaque aux parcelles de fleurs et tout le reste. Donc voilà, et ça c'est de la menthe. Il y en a aussi comment on appelle ça, dans les autres parcelles. Enfin, je vais en mettre un petit peu partout, même si c'est envahissant, c'est pas grave. J'en garderai un côté où là où ce sera moins gênant. Là, c'est un figuier. L'année dernière, bon, il a donné, sauf que ça n'a pas été mûr, on va dire, jusqu'au bout, parce que voilà, il y en a que j'ai même perdu. Donc c'était que la première année où il a donné, donc on va voir, il est encore tout petit. Ça, c'est un sureau. Donc voilà, à chaque année, il est vraiment de plus en plus grand. Pensez à liker, partager. Merci, à bientôt.